des vitres brisées, des inscriptions sur les murs. Dans la nuit de mardi à mercredi, la plus ancienne mosquée de Bordeaux est dégradée et ce n'est pas la première fois. Dans une semaine, ça fait deux fois. Ils ont fait la première, l'attaquage derrière, et aujourd'hui, ils ont commencé de... Et voilà, ça fait peur, ça fait peur. Parce que même les fidèles, maintenant, ils ont dit, on a parlé ce matin, il a dit... Il y en a qui, certains qui disent, je viens plus par rapport à... C'est-à-dire, je ne suis pas en sécurité. Pour les fidèles de la mosquée Nur El Mohammadi, ces dégradations sont la conséquence d'une méconnaissance de leur religion. C'est un grand problème d'amalgame parce que premièrement, quand on voit l'islam, c'est une religion de paix. Tout ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'islam. Une enquête est en cours pour retrouver les responsables de ces faits. Des patrouilles sont déployées à Bordeaux, aux abords des lieux de prière. Dans un communiqué, la préfecture appelle à l'unité de tous et condamne fermement ces actes.